et bienvenue pour suivre ce journal bimensuel du site Kivu. C'est avec faste qu'a été commémorée la journée des martyrs de l'indépendance le 4 janvier 2024 dans la ville de Bukavu. La cérémonie a été présidée par le gouverneur du site Kivu, Teongwa Bidje, accompagné du vice-gouverneur Marc Malago, le général de la police, le général Roger Isiyo, les représentants du général de FARDC et plusieurs anciens combattants et leurs dépendants. La journée des martyrs de l'indépendance, le 65e anniversaire, c'est l'histoire, nous nous inclinons un peu. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière, non seulement c'est le jour des souvenirs, mais surtout perpétuer l'ère lite à travers la souveraineté internationale de notre pays. Nous sommes aujourd'hui un pays indépendant et nous avons aujourd'hui un leader qui consacre cette souveraineté. Je cite ici M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi du Tshibala. Il tient à ce que ce pays soit indépendant, sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Donc, l'histoire de ces souvenirs, de ces personnes qui étaient déjà le père de l'indépendance à l'époque, qui ont combattu pour que ce pays soit indépendant. Voilà, c'est un devoir de mémoire, c'est le 65e anniversaire de la journée des martyrs de l'indépendance. Il faut dissocier le martyr de l'indépendance et ceux qui ont combattu. C'est aussi une double journée puisque cette journée, nous la célébrons avec les anciens combattants qui ont combattu. Je pense ici la guerre de 1900, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Vous évoquez le problème sociaux de ces combattants, du moins ceux qui sont encore en vie aujourd'hui. Je crois que nous nous battons pour que les situations soient améliorées. C'est une démarche au niveau provincial, mais surtout aussi au niveau national. Et surtout, nous partageons cette journée quelques actions sociales à leur faveur. Thank you.
Le 4 janvier, il n'y a pas de dimanche. Il y a Rio 59, dimanche. Il n'y a pas qu'à Yves. Mais il faut parler de l'opportunité. Il n'y a pas qu'à Yves. Grande, il y a une force publique, premier sergent-major. Mais pas qu'à Yves, il n'y a pas qu'à Yves, il n'y président provincial ou à Yves, il y a des assiettes combattants de Sud-Kivu. Je ne sais pas si c'est un major salaire. Tu as un apprenti, tu es combattant pour la Nyumba, tu es combattant pour Kula. C'est une occasion à Yves. Na anaweza kuishi. Salaire mtu wa kwanza wa mwisho hapa chini iko na 8000 francs. Na wa kwanza kule yule grade ya colonel iko na 15000 francs. 15000 francs. Tunaomba serikali ya meliora na siba tupatie hata bajue kama mtu anaweza kuishi koma. 8000 francs kwanza hata kusi ya mumwabo haikulaji vitu. Changeons de chapitre et parlons de l'escroquerie qui est devenue une monnaie courante au Sud-Kivu. Le général de la police Roger Isio a présenté aux policiers un groupe de présumés frappeurs de monnaie avec leur coffre-fort et une bouteille où il y a un produit dont ils se servent. Sérieusement, mon job au Fumura, à Zana Japon. La commission diocésaine justice et paix de l'archidiocèse de Bukavu a présenté à la presse les résultats de recherches menées dans le cadre des participations des jeunes pour le développement d'un pays. Après enquête, la CDJP a noté que plusieurs moronges et la communauté suivaient cette déclaration. Ce forum consiste à identifier les besoins ou les défis ou les problèmes communautaires. On rassemble toutes les couches de communauté qui fait participer tout le monde. Et à ce moment-là, on identifie les problèmes auxquels les communautés font face. Nous accompagnons actuellement GP dans la ville de Bukavu, notamment à la paroisse de Bagira, paroisse de Kadutu, Buolo, Ibanda, Nguba, Chai et Nyantende. Membres des comités locaux de gouvernance participative au Sud-Kivu, structures communautaires et laïques accompagnées par l'Église catholique de Bukavu et d'Uvira, à travers la pastorale Justice et Paix de Bukavu, avec les membres auxquels nous interagissons, à savoir les délégués des ETD, des entités déconcentrées, les services sécuritaires, les confessions religieuses, les mouvements citoyens, la société civile dans sa pluralité, les organisations des jeunes et mamans et les membres des différents CDGP de la province du Sud-Kivu avons organisé plusieurs forums citoyens franc-parler, mettant à table tous les acteurs susévoqués afin d'identifier les défis majeurs qui entravent la paix, la cohésion sociale et le développement de chaque ETD. Et les causes et pistes de solutions. Au cours de ces forums, nous avons dégagé non seulement les grands défis communs à toutes les ETD, mais aussi et surtout les défis qui sont spécifiques aux mêmes entités avant d'étudier ensemble les causes et proposer quelques pistes de solutions. Les défis communs à toutes les ETD. Après analyse, nous avons relevé quelques défis communs. Catastrophes naturelles, prolifération des maisons de production, commercialisation et consommation des boissons fortement alcoolisées et des chanvres. Les causes donnant naissance à ces défis ont été dégagées au cours de ces différents forums, à savoir faible engagement des autorités locales, marché pirate, manque de poubelles publiques, construction anarchique,
faible collaboration entre les services de sécurité et la population, absence d'éclairage public, chambre de prière, guérisseurs traditionnels illégaux. Fin de ce journal bimensuel, merci de l'avoir suivi.